Salut les pilotes, on se retrouve pour un nouvel épisode de TDU. Alors la dernière fois on avait fait une mission convoyeur, c'était assez long. Je pense que je vais pas refaire ça à chaque fois, hein. Je vais pas vous faire ça. Là je vais vous montrer un autre truc un peu marrant. C'est ça. Les missions top model. Je vais en faire une. Vous allez voir, c'est un bon petit délire. Nous recalculons votre itinéraire. Oh, une McLaren. Alors avant toutes les autres voitures de sport qui seraient passées comme ça, ça aurait été Dodge Rover en fait. J'ai fait un truc un peu bizarre là. Tournez à droite. Votre destination se trouve à 1 km. Votre destination se trouve à 500 mètres. Freinez un peu tard. Vous avez atteint votre destination. Jour de chance. C'est sympa de vous arrêter. Avec cette chaleur, je suis en nage. Ça ne vous gêne pas, au moins. C'est parti. Donc, c'est un temps limité et il y a la jauge de pilotage une fois de plus. Tournez à droite. Tournez à droite. Donc faut pas la brusquer, vous voyez. Bon, monter sur un trottoir, c'est pas grave. Dans TDU, ça fait partie de la route. C'est des vibreurs en fait, c'est des vibreurs. Et j'ai oublié d'allumer le caméscope. Ça, c'est très malin. Voilà, là c'est parti. C'était vraiment sympa. Si vous repassez dans le coin, appelez-moi, hein? C'est un peu comique quand c'est une fille quand même. Et voilà, ça donnait des tickets pour pouvoir acheter des fringues. On a des coupons. Ouais, un petit peu logique, hein, venant d'une top model. Bon, alors sinon, on va faire quoi d'autre? On va se lancer dans une autre course. Une que j'aurais pas déjà gagnée, de préférence. Tiens, j'ai un... Ouais, besoin de liberté. 8 000 $. Pas go, hein. Nous recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 3 km.
passe? Les gars, c'est pas une Audi TT, c'est une moto. Votre destination se trouve à 1,5 km. C'est vrai que c'est beaucoup beaucoup plus marrant qu'au clavier quand même. C'est autre chose. Recalculons votre itinéraire. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Complètement raté mon rapport. Votre destination se trouve à 500 mètres. C'est pas grave. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. Bon, ben on y va. 8 000 $ si on le fait bien. Bah ben on les aura, hein, les 8 000. Hein. Ça, j'en doute même pas. Hein. Concentré. Je dois rester concentré. Tournez à gauche. Je déconne, hein. C'est encore assez facile là pour l'instant. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Limite ça. Ouais. Un tout petit peu limite. Oh, c'est déjà fini. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Bon, bah voilà. Hein. Ça va vite. Ça va très vite. Ça passe très vite. Allez, on va faire autre chose. J'ai un autre convoyeur, mais pas maintenant. Une autre fois. Je vais faire une course. Cette course-là. Nous recalculons votre itinéraire. Vous roulez dans la mauvaise direction. Faites demi-tour. Votre destination se trouve à 1 km. Votre destination se trouve à 500 mètres. Ça passait presque. Mais ça passait pas. Vous avez atteint votre destination. Ce mode de jeu est de type course. Vous êtes confronté à plusieurs adversaires. Votre but est de terminer en tête. C'est aussi simple que ça. C'est du basique, hein. Non, le truc qu'il y avait, c'était vraiment la map qui était immense. Et puis le fait que c'était online, quoi. C'était massivement multijoueur, même si on n'était que 8 par session.
8 par session, mais ça switchait régulièrement en fait, sauf si on était vraiment dans un groupe concentré de joueurs. Et donc on pouvait croiser n'importe qui, c'était vraiment génial. Évidemment, une facilité déconcertante. Je suis passé super près, mais je l'ai pas touché. Enfin, je crois pas. Même eu le temps de passer la sixième. Trop cool. J'ai une autre news TDU. Ouais, ouais. 122 000, ça commence à devenir sympa. Je commence à avoir de l'argent. Ah, j'ai atteint un niveau supérieur. Vous avez atteint le niveau amateur. Bravo, vous avez remporté 5 courses en or sur les 120 possibles. Eh ouais, il y en a 120. Je vais essayer de faire les 120 avec vous. Je vais essayer. Et je suis passé niveau amateur. Maintenant, j'ai accès au mode photo. Cool. Alors, j'ai quoi comme mode tracé? Ah, il faut une groupe E pour cette course-là. Donc, j'ai pas la voiture qu'il faut. On va essayer de faire les courses en niveau F toujours. Un petit challenge. Je vais faire retour sur investissement. Nous recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 3 km. Tournez à gauche. À fond, à fond, toujours à fond. Même quand il y a des gars qui roulent à gauche. Bizarre ça. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Désolé. Votre destination se trouve à 1 km. Nous recalculons votre itinéraire. Vous roulez dans la mauvaise direction. Faites demi-tour. Tournez à gauche. Votre destination se trouve à 500 mètres. Vous avez atteint votre destination. On y est. Alors, c'est parti. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. J'ai complètement raté mon rétrogradage. Je me suis mis en point mort, c'était moche. Tournez à gauche. Tournez à gauche.
section, tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Mince, j'ai pas réussi à passer ma cinquième. Tournez à gauche. Et voilà. Ça c'est fait. En mode posé. Allez, je pense qu'on va se faire peut-être une dernière course. Et après on va se laisser là pour cet épisode là. Nous recalculons votre itinéraire. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Nous recalculons votre itinéraire. Tournez à gauche. Votre destination se trouve à 1 km. Destination se trouve à 500 mètres. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Allez, c'est parti. Je vais peut-être avoir un petit peu de mal à suivre. Prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ça aurait pu être pire. Peut-être que si je réussis à me mettre à la spi, parce qu'il a une plus grosse voiture que moi, hein, il me semble. Ça, c'est au moins des catégories E, là. Ouais, Maserati Grand Sport, c'est une catégorie E. Ah, j'ai pas réussi à le battre. Ah si, je suis passé. Mais c'était à ça. Ouais, la Maserati, là, c'est une... Ouais. Faudra peut-être bientôt que je pense à acheter ma... Attends, la Maserati, non, c'est même pas une E, c'est une D, je crois. Waouh. Oh bah c'est mignon, ça. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Ouais. Je pense que mon embrayage a recommencé à déconner. Bon, on va se laisser là pour ce soir. Bah je vous dis ciao.